Alors, on est aujourd'hui au locaux Red Bull. Donc, ils nous ont prêté un petit espace gaming, très sympa de leur part. Voilà, l'équipe est arrivée hier, certains ce matin, ont eu des problèmes d'avion, mais ça, c'est des choses qui arrivent. On a fait avec et ils sont tous là, donc ça fait plaisir. Premier scrim officiel en bootcamp pour une première victoire. Du coup, là, on est au bootcamp Red Bull, du coup, avec Agis. On a rencontré tous les joueurs, les coachs, enfin le coach et le manager et tout. Donc, c'est assez sympa. Tout le monde est gentil, tout le monde est cool, on s'entraîne bien. Genre, en ce moment, cool, on pensait bien. Pour le moment, on a fait quelques screens et ouais, ça se passe bien. Après, on découvre un peu la map, les options et tout, mais ouais, ça se passe bien. Genre, on a pas fait une défaite pour le moment, du coup, ouais, c'est cool. Il y a la nouvelle méta, il y a des nouvelles choses sur la carte. Il va falloir s'habituer. De finir notre troisième game du premier bootcamp, du coup, premier scrim aussi ensemble à Paris. Et franchement, ça se passe bien. Je trouve qu'il y a une bonne entente entre les joueurs, ça communique bien. Chacun prend son rôle à cœur et a l'air super motivé, donc ça fait plaisir. Et non, on prend bien le temps de review les games, d'échanger. Et une bonne ambiance pour le moment, donc faut que ça continue. Salut, moi c'est Elliot, du coup photographe. Je fais pas mal de photos dans le monde de l'e-sport, de Twitch, de divertissement sur internet de manière générale. Et aujourd'hui, petit shooting à Aegis avec tous les joueurs, staff, donc fondateur, coaching staff. Et donc ça va être très sympa. On a un petit setup très sympa ici avec le Stade français qui nous ont accueillis très gentiment. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Welcome. Hey, ça va? Oh! On est au Stade français, enfin au Stade Jean Bouin, qui accueille le Stade français, et on tourne des vidéos, des photos pour tout ce qui va être utilisé dans les médias. C'est un peu notre média day à nous, donc voilà, j'ai fait des têtes de chocbarres, de baisers pour les vignettes YouTube et tout, c'est passionnant. Avec la veste, avec le maillot, tout ça, sourire de profil, trois quarts face. Voilà, trois quarts face sur Akem. Et voilà, on est là.
petit tournage sympa pour le roster de Lille. Bon, tout beau, tout bien comme il faut. Surtout le directeur artistique avant tout, hein. Je vais essayer de placer mon œil de lynx sur le plan et faire vite surtout. Vas-y. Ce matin, on était au stade Jean-Bouin avec Stade Français pour faire tout ce qui était shooting photo. Et là, on part au parc Monceau à finir la vidéo d'annonce. Voilà, vous la verrez de toute façon en live. Vous l'avez sûrement déjà vu en live. Mais c'est toi qui avais raison. Voilà. C'est même pas à moi ça, je suis j'ai une valise, c'était pas à moi, c'est quoi cette vie? Yeah, I said that in Poland you can eat like every meal because basically yeah, there are a lot of like different, I don't know, countries. Well, that's not what like you said, no? Exactly, that's what I said. And then he said that in Montenegro you can eat everything as well. So I asked, can you eat sushi? And he said, I got you. Why do you want to eat sushi? No, I was just asking you. Aujourd'hui, on fait du coup, on fait plein donc Media Day avec Aegis. Du coup, ce matin, 9h30 au stade Jean-Bouin, au stade de rugby, pour faire du coup les photos d'Aegis pour les réseaux, etc. Et là, on est allé du coup dans un parc pour filmer quelques scènes pour la vidéo d'annonce du coup de Aegis. Et voilà. Hey, it's Ryu. We've just done filming the announcement for the team video. I hope you guys like it. It's been a pretty long day for us. We went through like a couple of spots in Paris, which was pretty nice because it's my first time here. And yeah, I mean, we just finished. It was kind of like a long day. Now we go back home to scrim, and I hope you guys like it because we put like a lot of effort, and we definitely sacrificed some of my shoes for this filming as well. So yeah, I think it's gonna look great, and thanks for following me. Franchement, il y a un style. Bravo, je suis mignon comme mec un peu. Genre, je suis un peu mimi, non ?